On se pose souvent la question, mais enfin, pourquoi Hitler détestait les Juifs? Bon, eh bien écoutez, j'ai essayé de me pencher sur la question et j'ai constaté que d'abord c'était faux en grande partie. Hitler, jeune homme et enfant, adolescent, qui adorait sa mère, n'est-ce pas, ils avaient dans la famille un médecin juif qui aimait beaucoup sa mère et que lui aimait aussi, n'est-ce pas? Mais je crois qu'une des raisons fondamentales qui a animé Hitler contre les Juifs, c'est d'avoir constaté dans son adolescence et au-delà que presque tous les révolutionnaires dans son Autriche natale étaient israélites, n'est-ce pas? Ça l'a, si je puis dire, un petit peu défrisé sur la question. Et puis, quelque chose aussi dont il faut tenir compte. Naum Goldman, qui fut à la tête du mouvement sioniste, comme vous connaissez, qui a tenu à mourir en Allemagne, dans son livre « Le paradoxe juif », n'hésite pas à écrire « Pour nous autres juifs, l'Allemagne était, l'Allemagne de Guillaume II, n'est-ce pas, était un paradis. » Et c'est vrai que l'Allemagne de Guillaume II, n'est-ce pas, attirait les juifs du monde entier, ou les juifs de Russie qui se disaient persécutés, c'est la raison pour laquelle la juiverie américaine prenait parti contre le tsar, n'est-ce pas? Quand ils se trouvaient refuge, c'était en Allemagne ou aux États-Unis. D'où les juifs russes partaient-ils, évidemment, du « Pale of Settlement », comme disent les Anglais, c'est-à-dire de la zone de résidence qui va de Pleskau, on dit Pleskau en allemand, mais Pskov, de Pskov, dans le nord jusqu'à Odessa, c'était la zone réservée aux Juifs, n'est-ce pas, qui était grande comme deux fois la France, n'est-ce pas. C'est là qu'était passée presque toute la population juive de Russie. Car depuis Pierre le Grand, Piotr Veliki, n'est-ce pas, la Russie, sur le plan social, était divisée par la table des rangs, en 14 rangs. Les premiers, évidemment, étaient les nobles, Forjanets, après venaient les prêtres, n'est-ce pas, après les commerçants, mais alors ils étaient dans deux guildes, vous aviez les commerçants Pierwszego Ranga, du premier rang, et aussi ces kupiec, c'est le singulier de marchand, commerçant, kupci, c'est le pluriel. Kupci, ftorowe ganga, les commerçants de la deuxième guilde, n'est-ce pas? Alors certains juifs, un million quand même, avaient le droit de s'établir dans toute la Russie, à condition, les Suisses font la même chose, on a le droit de s'établir à Genève, enfin, si on apporte quand même un certain, quelques centaines de millions, je ne sais pas combien de francs, mais le régime tsariste accueillait les Juifs qui avaient une certaine fortune, n'est-ce pas, même une grande fortune. Ceux-là, au nombre d'un million, étaient bien accueillis en Russie, pas ceux qui étaient censés habiter, je répète, the Pale of Settlement, c'est-à-dire la zone de résidence qui allait de Pskov, qui est au sud de Saint-Pétersbourg, jusqu'à Odessa, sur la mer Noire, quoi. Bon, alors, je reviens à votre question, pourquoi? Eh bien, parce que ces Juifs qui avaient été, de leur propre aveu, si bien traités en Allemagne, n'est-ce pas, ayant obtenu la promesse qu'ils auraient la Palestine, qui appartenait à la Turquie, à l'Empire ottoman, n'est-ce pas, ont pris parti lors de la Première Guerre mondiale, se sont mis du côté allié. Ils se sont mis du côté allié parce que le côté allié, les Anglais en l'occurrence,
par la déclaration Balfour adressée à Lionel Rothschild, leur promettait un foyer en Palestine. Vous me direz que les Anglais avaient du culot parce qu'ils promettaient aux Juifs une terre qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui appartenait à l'Empire ottoman. Or, l'Empire ottoman, n'oubliez pas, était allié de l'Allemagne, n'est-ce pas? Alors, de quand Herzl, le fondateur du sionisme, qui est mort relativement jeune, je crois qu'il est mort en 1904, enfin c'est en 1897 qu'il a écrit l'État juif, oui, quand Herzl est allé trouver, vous savez que c'était un juif autrichien, Herzl, quand il est allé trouver Guillaume II, qui était fort bien vu des Turcs, quand il est allé trouver en 1898, parce que les Juifs, évidemment, cherchaient à trouver un appui, ils ont cru le trouver dans Guillaume II, mais Guillaume II leur a dit « c'est difficile, vous comprenez, je suis l'allié des Turcs, je suis en très bon terme », c'est pour ça d'ailleurs qu'Herzl, alors ils se sont rabattus sur les Anglais. Donc, pourquoi Hitler n'aimait pas les Juifs, pour différentes raisons, qu'on peut lire d'ailleurs dans Mein Kampf, que moi-même je n'ai jamais lu, je vous l'avoue. Mais enfin, pourquoi il n'aimait pas les Juifs? Ben, c'est parce qu'il avait l'impression que l'Allemagne, au dire de Naoum Goldman, était un paradis pour les Juifs, et les Juifs n'avaient pas été reconnaissants envers le peuple allemand, puisqu'ils avaient massivement pris parti pour les alliés, pas au début, parce que 95% des Juifs du monde entier étaient, pas parce qu'ils aimaient l'Allemagne ou ce qu'on appelle les centraux. Les centraux, c'était quoi? L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, etc. Mais non, mais parce qu'ils détestaient la Russie. Or, les alliés, c'était quoi? C'était quoi les alliés? La France, l'Angleterre et les Russes. Donc, dans leur majorité, les Juifs du monde entier ne pouvaient pas décemment prendre parti pour les Alliés. Ce n'est qu'en 1916-17, lorsque des gens très influents, comme le rabbi Stephen Wise, et surtout le plus important, Bernard Baruch, qui a joué un rôle très très important, pas seulement au cours de la World War I, Première Guerre mondiale, mais aussi au cours de la World War II, aussi bien sous Wilson que sous Roosevelt. Je reviens à lui, j'ai dit Bernard Baruch, que John Dos Passos, dans son livre Mr. Wilson War, la guerre de Monsieur Wilson, n'est-ce pas, appelle le roi des Juifs. Je reviens à Bernard Baruch, n'est-ce pas, qui a d'ailleurs traité avec le chancelier Adenauer en 51 des sommes que l'Allemagne devrait verser à l'État d'Israël et aux Juifs du monde entier. Alors donc, Bernard Baruch, au cours de la World War I, était un des principaux conseillers de Wilson et, au cours de World War II, Deuxième Guerre mondiale, le conseiller de Roosevelt. Et il n'aimait pas les Juifs en conclusion parce qu'il avait l'impression que, c'était naturel de leur part, n'est-ce pas, ils mettaient les intérêts de la juiverie avant ceux de l'Allemagne qui avait été gentille, les gens gentils, qui les avaient aidés, n'est-ce pas? Et libérer Vincent Renoir.